Bon. Allez. Qu'y a-t-il dans les sphères? Excusez-moi, je vous en serai reconnaissant. Mais faites attention. Il y a une TP là-bas, faut que j'aille la chercher. Du coup, maintenant tu joues à la lance alors. Oui, je joue à la lance que quand je vais devoir faire un boss. C'est plus simple. Sinon, je reste sur mon armure normale habituelle. D'accord. Mais bon, moi je suis un gros lâche. Hein. Ah ouais? Tu tout le monde à l'arc à distance. C'est la seule façon de survivre. Bah non. N'oublie pas que j'ai une armure légère, mon. Bah change. Une armure plus vieille et plus grosse. Ok, t'es bientôt 65. Dans, on va dire 11 levels et demi. Ça va, c'est bientôt. C'est chelou, j'ai éliminé le boss qui me disait pour récupérer un artefact des anciens, il me l'a pas donné, sans culé. Des fois, l'artefact, tu l'as dans les coffres. Hein. T'es sûr que c'est le boss qu'il fallait que tu tues? Ouais, c'est marqué en plus en gros dans le titre. Bon, je vais attendre qu'il repop. Je vais le redégommer. Hein. Je vais voir si c'est bien son nom qui a de marqué. Ça se trouve, c'est pas lui. Ah oui, c'est vrai que j'étais 247 en minage là. Ah, t'as de la chance, toi, je suis gueule dans les 90. Mais c'est avec les livres là, les machins là, que ça m'a fait up. En minage, je suis passé 102. Et en abattage d'arbres, par contre, je suis que dans 86. Ben moi, c'est comment ça s'appelle? Je suis level c'est les 50 livres, là. En... Ouais, ben je l'ai fait, les livres, justement. C'est ça qui m'a amené à 102. Ah, moi, ça m'a passé 247, là. J'avais des ressources pour le faire, justement, et... Je viens de passer 248.
Par contre, c'est chiant, c'est quand tu fais des quêtes, tu les rends, ils t'en donnent une. Ouais. Et après, ils te disent, bah, il faut faire le donjon. Ouais, bah, tu sais que là, bah, j'ai quasi toutes les quêtes de tous les donjons. Hein. Je me dis, hein, tu sais, je les ai pris, je les... parce que t'as pas de limite de quêtes que tu peux avoir sur toi. Donc Ouais, ouais. du coup, je les ai toutes. Et puis à un moment donné, j'irai bien faire les donjons, tu vois. Et quand j'irai faire les donjons, bah, je ferai les quêtes et puis voilà. Hein. Après, moi, je suis beaucoup dans les quêtes. Enfin, sur le jeu, je fais beaucoup les quêtes. Là, j'essaye de toutes les faire, de toutes les zones. Comme ça, après, t'arrives et t'es tranquille, t'as tout fait et je peux faire autre chose après. De toute façon, ces quêtes, après, ça va être full métier pour monter tous les métiers de récolte et de transformation level max. Ah, c'est quoi comme métal ça? Ah, c'est du métal stellaire. Nice. Ben là où je suis, il y en a, je peux pas le miner, il faut être 202. Ouais, bah moi je crois que là, il n'y a plus grand chose comme métal que je peux pas prendre, du coup c'est cool. Il y a beaucoup de métal stellaire là où je suis. Il reste deux levels et je suis 250. Donc je suis tranquille. GG, hein. Oui. Bah après, ce qu'il y a de bien dans le jeu, c'est que le métier n'a pas de limite en gros. Ils ont pas mis, comment dire, tout dans des zones spécifiques, il faut vraiment chercher partout, quoi. Bon, en fait, après, tu as des zones qui sont plus adaptées. Mais ouais, tu peux récupérer partout, c'est ça qui est bien. Comme là, tu vois, je suis dans une zone, je récupère du fer, mais aussi du métal. Après, c'est comme tout, t'as des zones qui sont plus. Là, au même endroit, tu vois, j'avais du fer, du métal stellaire et du minerai d'argent. Du coup, après, enfin, moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. C'est comme sur Wakfu, n'importe quel jeu. C'est-à-dire que je récupère tout, quoi. C'est-à-dire que dans la zone, même du fer, je le récupère, tu vois. Parce que, bah, avec le fer, je fais des lingots, que je. Après, j'augmente et après, je revends, tu vois. De toute façon, il t'en faut pour faire les lingots plus haut à chaque fois. Ouais, c'est ça, donc je récupère tout. Et puis bon, vu que le métier, on va dire, il a un level max, c'est 250. Mais une fois que tu as atteint le 250, bah, tu continues de prendre de l'XP de métier. Et après, tu as les paliers. Tu vois, comme dépeceur, par exemple, je suis 250, palier 3. Et ça, c'est bien. Ouais. Et ça, c'est bien aussi dans le sens où, quand l'extension est sortie, par exemple, j'étais déjà 60 palier 2, moi. Enfin, 200, je veux dire, palier 2. Parce que le level de max du métier, il était 200 avant l'extension. Et ben, si tu veux, j'ai monté le métier, donc 250, mais j'ai gardé mon palier. Ça veut dire qu'une fois que le métier a été re-up 250, ben, j'ai gardé mon palier 2, du coup, j'ai augmenté palier 3, etc. Parce qu'en fait, plus tu montes de palier, plus les récompenses que tu as à chaque fois que tu passes un palier, elles vont être importantes. Ouais. Donc, c'est pour ça que c'est toujours intéressant de continuer de récolter, même une fois. Level max, tu vois. Puis moi, de toute façon, vu que je fais pas les métiers de craft, mais je fais tous les métiers de transformation, on va dire. Tu sais, je fais pas les crafts des armes, tout ça. Ben, pour me faire des PO, quoi. Je suis tout le temps en train de transformer les minerais, etc. Tu vois. Les minerais, je récolte les fleurs, les machins, les trucs, le bois. Donc, du coup. Il y a encore du boulot avant d'avoir tout monté max. Hein. On ira faire les donjons après quand tu auras le level. Ah bah ouais.
pourra se mettre en groupe et là il colle dans le monde. Imagine là, après, une fois que je vais avoir acheté mon stuff 700, va falloir que j'achète les optis, puis après les meilleurs sacs, les meilleurs outils de métier, tout le bordel, ça va coûter une couille. Bon, elle est où ma quête? Elle est par là. On n'est pas là pour faire les métiers là. Putain mes frères, je vais jamais avoir le temps de faire le métier. Les mineries, ils arrêtent pas de repop. Ah bah c'est chelou. Non c'est bien, ça me va, hein. Moi ça me fait des composants. Ah, j'ai déjà... Non. Mais moi tu sais le truc qui me dit bien que je suis arrivé au truc pour battre le boss, je bats le boss. Mais c'est bizarre, c'est qu'il s'appelle pas comme dans le titre. Ah t'es peut-être pas au bon endroit. Ou c'est peut-être pas le vrai boss. C'est marqué que t'as battu. Éliminer le Dance Slam. En haut, tu sais, c'est marqué 5 mètres, 3 mètres, j'arrive bien devant ce boss là pourtant. Mais il s'appelle pas Dance Slam. C'est peut-être pas le bon boss que t'as battu alors. Pourtant, c'est l'endroit où ils me disent d'aller. Je peux pas mieux faire, hein. Ils m'emmènent directement devant le boss. Mais j'ai regardé, il n'y a pas de souterrain. Tu sais, parfois que ça serait dans un souterrain et pas au-dessus, mais non, il n'y a pas de souterrain. Bah, elle te dit quoi, ta quête? Éliminer le Dance Slam pour récupérer un artefact des anciens. Ouais, bah, faut que tu trouves un boss. Oui, mais après, t'es dans la zone du Dance Slam, mais faut que tu le trouves après. Et le boss, il s'appelle Ténébreux. Ah oui, mais c'est parce que c'est pas le bon mob. Parce qu'après, il te donne une zone, mais après, c'est pas... Il faut que tu le trouves dans la zone. Je regarde bien autour, mais il n'y a rien autour, non? En fait, je crois que le métier de bûcheron, en gros, dans le jeu, je crois que ça va être vraiment être le plus simple. Il y a des arbres partout. Il y a des arbres partout, mais l'ISP est pas comme les autres. C'est ce que tu prends le moins d'ISP par objet récolté. Tu crois? Parce que depuis le temps que j'en fais, des arbres, crois-moi que... Après les arbres, je sais pas si t'as vu, mais il y a des petits, il y a des gros. Il y a des arbres d'anciens, il y a. C'est comme le minerai. Ouais, je sais, il y a. Il y a des petits arbres, les gros. Les arbres jeunes, ils appellent ça. T'as les arbres adultes. Après, t'as tout ce qui est bananier et tout ça, ça compte comme jeune arbre. Sauf qu'ils te donnent des bananes en plus.
Attends, faut que j'aille où? Ah, faut que je reparte là-bas. Je vais aller faire la quête alors. Hein. On va aller faire la quête secondaire. Bah et sinon tu kiffes toujours autant le jeu? Bah ouais toi. Oh bah toujours. Hein. Bah tu sais. Pour continuer à jouer alors que je suis level max, c'est que je kiffe. Hein. Ben déjà oui, c'est que t'apprécies le jeu, sinon. Ah ben moi j'adore. Hein. J'ai essayé un truc que je me demande, après peut-être que c'est ça, on verra bien. Est-ce qu'il serait pas là que deux jours, vu que j'étais de nuit? Je vais voir si c'est le même boss. Deux jours ou deux nuits. Je sais pas. Ah oui, il s'appelle Gardien Ténébreux et moi je dois éliminer dans Slam. Mais parce qu'il faut que tu le trouves dans Slam. Bah je fais que ça de chercher, mais il y a que ça. Ça me fume, je fais une quête dans la zone, tu sais, je mets un coup de fléau, ils meurent. Ils sont level 10, les machins, attends, non, combien? 16. Regarde s'il n'y a pas de souterrain, mais non. Tu sais, parfois tu peux soit descendre dans les sous-sols ou monter. Mais non, là, il n'y a pas de sous-sol.
C'est trop facile. Je sais vraiment pas c'est quoi cette quête principale là. Ah mais t'en as plein de quêtes principales, je sais pas, ils disent. Ouais bah celle que je fais là, y en a plein. Hein. T'as aussi la quête principale des fractions, t'as tout ça. Ouais non mais ça les factions oui. Mais en fait c'est pas la quête principale des factions, c'est la quête des factions pour que tu montes de rang. Tu dois faire des missions jusqu'à atteindre certains points de rang. Puis une fois que tu as atteint les points de rang, tu dois faire une quête d'une espèce de rite de passage pour monter au rang suivant et ainsi de suite jusqu'à atteindre bah, le rang max de la nation, de la faction. Je l'ai pas encore, moi, le rang max. J'ai la quête pour aller faire. Par contre, j'ai vu sur ton serveur, Ombre, ils ont quasiment rien. Ouais, il y en a pas beaucoup, mais bon, après. C'est les verts qui mènent. Ouais, mais après, bon, pour le moment, est-ce que c'est important? Je sais pas. C'est ma fraction d'origine qui mène. Faction, pourquoi tu dis fraction? Zozo, il s'est cru en cours de maths. C'est ça. Ah oui, d'accord, donc là, il faut que j'aille là. Ah ben... Une expédition à faire là. Il n'y a personne pour la faire l'expédition. Du coup, pourtant, il y a du monde dans les expéditions. Hein. Ouais, mais je. Tout à l'heure, j'étais venu. Deux expéditions que je vois, chaque fois, il y avait du monde devant. Ah, mais il y a des heures. Enfin, généralement, le soir, dans les heures normales, t'as du monde. Hein. C'est juste que moi. Flemme quoi. Puis j'attends d'être à 710 level, comme ça je vais j'aurai au moins un bon stuff et tout. Ouais. Après tu sais, il y a des donjons où t'as déjà le level largement. Ah ouais, je sais ouais. Non, bah après les expéditions, je vais les faire avec toi, comme ça sera plus drôle. Ouais, bah oui. On les découvrira ensemble, il n'y a que la dernière que j'ai faite, quoi. C'est bien, ça me fait 2 TP de plus. Avez-vous terrassé la première sentinelle? Eh bien, de Saïma. Oui. Qu'est-ce que j'aime pas cette ville-là? Laquelle? Un instrument qui permet à son des pirates. D'observer les détails les plus infimes. Celle où il y a un grand bateau tout en bas, là. Tout est dispersé de la droite à gauche, c'est chiant là-dedans, je trouve. Ah ouais. Ah d'accord, la quête qu'elle m'a donnée, la meuf, c'est une quête d'expédition, ok. Oh, ça, j'en ai plein, si tu savais. Ah bah, la même, hein, t'inquiète pas. Hein. Histoire annexe, j'en ai 17 des quêtes d'expédition. Voilà, désépingler. Param pam pam.
vécu. C'est ce que je craignais. J'aime bien, tu finis une quête, il y en a trois qui pop dans le village. Ah ouais, et attends d'avoir fini tout, tu vois. Là, tu as pété un plomb, frère. Moi, il y avait des zones que j'avais terminées en quête. Et qui, avec du coup les mises à jour et la sortie de l'extension, bah, il y a plein de quêtes qui ont repop. Une fois de plus, vous tombez à pic. Puis-je voir maintenant? Oui, bien évidemment. Mais nous avons besoin des informations de l'orateur. Convaincre Léovix d'attendre que nous sachions où sont les autres. Putain, des quêtes secondaires partout, partout. Il y en a, j'ai jamais compris. T'acceptes des quêtes, mais ils sont déjà ouvertes à rendre. Ouais. Il y en a, mais c'est rare, mais il y en a, ouais. Voilà, j'accepte une quête et hop, déjà à rendre. Bah, tant mieux. Plains-toi. Ah. J'ai accepté des quêtes, là, c'est que des expéditions. Hein. Tu les décoches? C'est ce que je fais, t'inquiète. Aïe. Par contre, je sais pas, j'ai un bug, non. Non, pourquoi? J'ai la quête principale qui s'appelle la malédiction de Kerden. Ouais. Impossible de la retrouver sur la carte. Et quand je clique, tu sais, sur le côté, tu sais, tu peux cliquer, tu montes où aller. Bah, je clique dessus et ça fait un espace rien. D'Aléa reflète l'intention de Vas-y, fais un partage pour voir. Attends deux secondes. Ça sera à rendre ici. Ça, c'est une quête principale, mais c'est de pêche. Ah, la pêche, ça, c'est bien le seul truc que j'ai pas beaucoup monté encore. Ça, c'est le métier que je vais monter en dernier, c'est la pêche. Hop. Un message. Ah, si je me. Ok. C'est ton message de tout à l'heure, ça. Partager ton écran. Ouais. New World. Go live. Ça y est, t'es devenu un streamer. Ouais, t'as vu ça. T'as vu là, t'as la carte. Attends, que j'arrive sur ton stream déjà. Ouais. Tu fais ça. Tu sais, quand tu fais ça, gars, ça t'amène toujours où tu dois aller. Non. Là, je vais sur la quête. Ça te montre où est la quête. Et là, c'est. Ah, mais va dans ton journal en haut, à droite. Là, éliminer esprit maudit, voilà, fait épingler.
Maintenant, reviens sur ta Ah, carte. que je savais pas ça. Ah, bah non, mais ça doit être bon. Hein. Je savais pas qu'on voit ça. Ben, regarde ta carte. Ah, c'est bon, allié. Ouais. Puis maintenant, je vais regarder la carte. Hop. Elle doit être affichée quelque part, en numéro 1, normalement. C'est quelle est la quête? Il y a marqué quoi sur ta quête? Il n'y a pas une zone décrite? Esprit maudit d'Umberto. Oui, mais fais, va dans le journal. Avec l'aide de Esprit Sia, vous avez vaincu maudit. un tueur de Vangile et pris son joyau de cœur. Il ne vous reste plus qu'à retourner à Carden et suivre les instructions de son. Il faut que tu ailles à Kaerden. Il faut que tu retournes à Kaerden. Alors, Carden, c'est où ça? Monte. Haute chute, rive tourmentée, marée Non, d'étrang. mais c'est pas une zone, Carden. Ça doit être une expédition ou un donjon ou un truc. Tu penses que ça serait. Non, la quête principale, il n'y a pas de donjon, c'est. Si, si. Faut que tu trouves où c'est que c'est Carden. Ouais, je vais faire toute la carte comme ça. Oh. Je verrai bien la quête principale à un moment donné. Et quand t'en quittes tout ça, quitte ta Que je carte, quitte là? quitte ta carte. Voilà. Là, fais tourne sur toi-même. Ah oui, c'est même pas indiqué en haut. Par contre, là, Oui, c'est chiant. toutes les quêtes que t'as redonnées là. Bah, je sais, je viens de tout faire là. Mais tu sais, quand c'est pas loin de l'un de l'autre, je les fais et je les rends tous après. Ouais, bah enfin, regarde, elles sont toutes à 4 km, 2 km, t'es pas du tout dans la bonne zone. Hein. Je sais Bah, pas c'est où tu. normal, je viens d'arriver ici pour je sais plus quoi, je crois. Ah oui, parce que je voulais retourner à la base la plus près, et vu que c'est ici que je suis enregistré, bah. C'est pour ça que je suis revenu ici, c'est ici que j'étais enregistré. Ouais, mais tu sais que tu peux aller n'importe où, hein. D'un TP à l'autre, tu Ouais, peux. mais en fait, quand t'es en plein milieu, tu sais, je sais pas, je viens quand même des montagnes, tu vois que où t'es enregistré au niveau de l'hébergement. Ah oui, quand tu fais la TP comme ça, oui. Voilà, moi, c'est comme ça que je fais. Là, t'inquiète, il va falloir que tu retrouves Kaerdum là. Je sais pas où c'est. Regarde sur Google. Tu mets Ouais, c'est ce que je vais faire. Je vais regarder sur Google. Ouais. tu marques genre New World position Kaerden et puis voilà. J'ai exploré les quelques routes de flore. Là, je peux pas y aller. J'ai essayé d'y aller tout à l'heure. Vu que c'est Ombre maintenant qui a la forteresse, je peux même plus y rentrer. Mais t'as pas quitté ta faction? Non, j'ai fait tout à l'heure, j'ai commencé la quête principale pour aller chez Ombre. Et je l'ai pas encore fini. Ah putain, ça me pique dans les doigts d'un coup. Je suis en train de regarder, mais je le vois pas. Hein. Non, mais regarde sur internet, je t'ai dit, au lieu de perdre du temps. Tu tapes New World Position Kaerden et puis voilà. Ils vont te dire où c'est. Mon téléphone, il est. Mais mec, t'as un PC. Ah, bah, le téléphone, ça va plus vite. Ouais, bah putain. La malédiction de.
Quand même. N'empêche, elle est longue cette quête là, putain. Chaque jour, c'est qu'est-ce que c'est remarquable. Regardez comme la lumière de ces grands bruits. Grâce à vous, oui, exactement. Qu'importe les dieux. Ah, Cardon Donjon. Apparemment, c'est un donjon. Bah, tu vois, je te l'avais dit. Tu dois pouvoir la faire solo. Avant de prêcher la parole. Oui, tout le monde très bien. Je range ma lame. Par contre, il y a une espoir où aller sur la carte. T'as des sujets, mais t'as pas le. Mais comment il s'appelle le donjon? Ben, il s'appelle Cardon Donjon. Eh ben alors, tu regardes sur ta map, tu regardes toutes les icônes de donjon et tu cherches celui qui est de Cardon. C'est logique, non? Allons-y, la carte. T'es la carte, t'es la carte. Où est cette brute de Léo? Mon chapeau. Ah, cette maudite prologue. Superstition ou pas, moi je voulais pas y toucher. Ça s'appelle comment ce lac des glaces? La forge machin, expédition 60, ça c'est pas. C'est pas encore mon level, c'est le tiers ça. Moi je suis 65. Ouais, j'ai cette zone là aussi que j'ai débloqué. Il n'y a pas l'air d'avoir de donjon ici. Par contre, les quêtes elles sont peut-être pas dures, mais par contre elles rapportent bien en pièces d'or. Je suis remonté à 7000. Ah ouais, ah ouais, je suis remonté à 7180. Ça fait plaisir. Là, il n'y a pas de nouveau. Là, la zone elle est plus de 560. J'ai pas encore accès. Je vais parler au. Oh, vous lisez dans mes pensées. Oui, ce joyau doit être rapporté à l'aiguille de Cochin de Sud-Ouest. Mais faites attention. Expédition. C'est comment ça s'appelle celle-là?
Oh, level 249 là en mineur. Bien, j'ai. On va bientôt être 250. Vous n'imaginez pas toute la viande que je peux tirer d'un puma. Et bam. Putain, je vais monter 250 avec du fer, quoi. C'est un truc de ouf. Fais gaffe à ta vita, hein. Hein? Fais gaffe à ta vita. Ouais, t'inquiète. Hop. Une petite potion. Allez, casse-toi. Ah, putain, le bâtard. Ah, mais comment j'évite ce truc de merde, là? C'est quoi ce truc de merde, là? Oui, hop. Ouais, le frapper. Non, il est invulnérable. Prends une potion, toi, bâtard. Un délai pour prendre les potions, je sais pas si t'as remarqué. Ouais, mais mon esquive, j'arrive pas à esquiver son laser là, je sais pas, c'est bizarre. J'ai l'impression qu'il me pompe de la vie, non? Aucune idée. Bon, ça va, je vais l'avoir. C'est ça, une pompe de la vie. Il se régène un peu. Allez, putain, peut-être régène. Allez. Je te fasse ma méga attaque. Oh le bâtard d'esquiver. Ouais, toi tu vas crever. Mais regarde-le, c'est plus simple pour esquiver les coups. Ouais, puis t'as rien, je te l'ai dit l'autre jour. Ta cuisine, fais des plats pour amener avec toi. Ça, entre deux trucs, t'as juste à courir et ça te régène et tout. Et là, t'as que des popos. Ah là, je vais crever, là. Je crois que je vais crever, là.
Ouais, mais il se régène. Ah, puis il m'a immobilisé, je peux plus bouger. Ah, c'est bon. Vite ta potion. Ouais, t'es bon. Ouais, ça va, j'aurai pas à l'entrée. Pas ouf ton arme. Déjà répare ton stuff. Parce que tu meurs 50 fois, ton stuff il est mort là. Non, pas comme ça. Je peux pas réparer. En bas où il y a les 3 points. En bas. Ouais. Ouais, mais il n'y a pas à réparer, non. Ah bah oui, vous n'avez pas assez de pièces. Attends, reviens dans ton stuff. La conca, ces trucs bleus et verts là qui te servent à rien. Non, fais pas ça. T'appuies sur C et tu fais clic droit. Recycler. Mais C plus clic gauche. Oui. Ah, encore. L'arc aussi là, ce qui te sert à rien. Et ferme ton truc d'inventaire là. D'ensemble d'équipement là, il te sert à rien ce truc. Bah attends, je comprends pas. Et là, non, attends, ton stuff est pas réparé. Eh, mais tu vois quand tu joues ou pas, sans déconner, tu vois bien que c'est en rouge en haut là. Là, non. Oui, mais quand je peux. Là, en bas. Là, les trois petits points en bas. Tout réparé. Ah ouais. J'ai pas tout réparé. J'ai que 5 pièces, regarde. Ah ouais, mais parce que t'en fais quoi de tes trucs? Tu les revends ou quoi? Bah non, je fais, c'est ce que je fais, mais je récupère jamais rien. Moi. Essaye de réparer ton arme. Si t'as assez de pièces d'équipement de réparation pour. Juste l'arme. Wow. Bah change d'arme, mets une autre arme si t'as une autre arme. Mais non, ça change rien. J'ai que ça. Hein. Non, dans ton équipement rapide. Ouais, mais après, dans ce cas, faut que je change directement de. Ben, mets l'autre stuff. De toute façon, il est en rouge aussi, l'autre stuff. On va mettre ça, comme ça. Et la lance en deuxième. Waouh, c'est le bordel, ton stuff, là. Ouais, hop. Là, avec ton stuff qui est tout pété, à mon avis. Oh, de l'or. Ouais, bon, je verrai ça quand j'aurai un bon stuff. Allez, hop. Ah, c'est pas question d'un bon stuff. C'est que là, tout ton stuff est pété et je sais pas comment t'as monté ton perso, mais T'as de l'e-level hyper bas alors que t'as un autre stuff où l'e-level il est plus haut. Je comprends rien à comment t'as fait ton perso. Les stuffs, c'est ce qu'ils m'ont donné gratuitement quand je fais les. Dans une mission, ils m'ont donné un stuff complet. Bah, c'est ça que j'ai dans l'autre. Ah, mais tu regardes pas que les stats. C'est sur moi, c'est ce que j'ai. C'est ce qu'ils m'ont offert là. Oui, mais tu regardes pas que les stats soient bien. Et que c'est ce qu'il te faut pour tes armes. Quand tu sais pas parce qu'ils te le donnent dans une mission que forcément il faut le mettre, hein. Bah si, regarde. Bah non, l'autre ensemble que t'as, t'es à 400 et quelques d'e-level, et là t'es à 380 à peine. Regarde, tout est en dextérité, regarde. Non mais, oui, mais c'est pas ça que je veux te dire. Le stuff là que t'as, regarde, va dans tes ensembles. Là tu vois bien que t'as un stuff où il y a 412 d'e-level, et là t'es à 394. Mais t'as un stuff, il est quoi ton stuff violet là, fais voir. Le stuff violet, il est lourd. Déjà il est lourd, c'est de la forme, donc c'est même pas de la dextérité, donc c'est pas le stuff qu'il te faut. Ouais, et... mais c'est pas très grave parce que même s'il est lourd... Mais c'est aucun rapport avec le lourd, c'est les stats. La lance tu peux utiliser Oui, mais quand c'est... même. Bah, écoute, fais comme tu veux, hein, moi je te le dis.
Ton stuff, il est pas bon, là. T'as un stuff qui te donne de la vita. Il te donne pas de la dextérité. Si ton stuff... Mon fond, on me l'a offert. Hein. Bon, bah, comme si je l'avais... Fais comme tu veux. C'est bon, je comprends rien. Je vais pas m'égosiller pendant 200 ans à t'expliquer un truc si tu piges rien. Hein. Fais comme tu veux, et puis voilà. Enfin, ça fait plaisir. Bon, on va aller rendre l'émission, là. 4 km, 2 km, 800. Donc c'est qu'il est... Il est là... Ah les bâtards, c'est tout là-haut qu'il faut aller. Et comment je suis censé y aller là-haut? Moi jusque là-haut. Ah ouais. Ah d'accord.
pam pam pada. Oh, recyclage parfait. Ça, c'est cool. Ok, 417. Putain, ça y est, Zozo, j'ai passé mon métier de 150. C'est bien, GG. Par contre, ça a l'air d'être long pour monter les paliers en mineur, hein, contrairement à des puffers. Des puffers, je suis presque palier 4, mais ça a pas l'air de vouloir tomber encore. Hein. Ça va bien tomber quand même à un moment. Il y a certains endroits, c'est vide comme il n'y a rien. Ah ouais, c'est normal, c'est comme en vrai, il peut pas y avoir tout partout. Je hein. fais partie d'un groupe de peintres paysagistes d'Eternum. Ouais, mais je m'en fous que tu fais partie d'un groupe de paysagistes peintres, je sais pas quoi, là, on bat les steaks, frère. Raconte pas ta vie. Moi, j'ai ramené une vieille quête annexe, elle me raconte sa vie, là, on bat les steaks. Principale. Elle est quand même longue, hein, putain. Allez, dépêche-toi de me donner la quête, de me la reprendre la quête là, que j'ai envie d'aller au dodo, moi. Ça va bientôt être 2 heures là. Demain. Oh, oh, plutôt bien. Merci. En fait, le métier d'ingénierie, c'est lequel, ça? Ben, ingénierie. Je trouve pas sur la carte à chaque fois. Il est avec un autre, je crois. Attends, ingénierie, c'est où? Là, c'est j'ai une mission, il faut que je fabrique un item. J'ai le métier level 100 qu'il faut pour fabriquer l'item. Mais il me faut un deuxième métier qui s'appelle ingénierie et je n'ai même pas. Il faut... si, tu l'as le métier, mais il faut que tu ailles soit dans un atelier, soit dans une forge. Qu'en fait, dans les outils de métier, t'as plusieurs métiers. Et suivant les recettes, les machins, ben, c'est différents métiers, en fait. D'accord. Donc, tu penses que c'est la forge, toi? Ah, c'est marqué. Tu vas dans ton truc de métier et regarde. Fais un partage des... Attends, je vais te montrer, moi, ça ira plus vite. Regarde. Tac. Attends, j'y vais. Hop. Je vais sur Discord, attends. Hop.
regarder le stream. Voilà. Tu vois? Ouais, je vois ton écran. Tu vas dans ton personnage, tu vas dans métier, ingénierie, effectuer à forge et atelier. Ah, ok, ouais. C'est, okay. Marqué, c'est marqué dans les, tous les métiers, c'est marqué. Ok, ok. Tu vois, fabrication d'armes, forge et poste d'équipement, etc. Regardez ça, vous êtes... Oh, je pars vers le nord. J'ai entendu dire qu'il y avait une ville plus grande. Oh, oh, nos routes se recroiseront, c'est sûr et certain. Vous êtes comme moi, une âme vagabonde. Allez aider la petite druidesse, puis venez me retrouver au nord. En attendant, gardez le regard à l'horizon. Voilà. Allez, je vais me poser et puis va aller de dos moi. Allez.